Là, c'est Vladik que j'avais rencontré dans une école dans le Donbass en Ukraine. Je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis le début de la guerre, mais voilà, je les ai représentés. Ils ne sont jamais venus à Paris, c'est leur petit voyage à Paris. Des personnages d'enfants croisés lors de voyages, redessinés dans un style poétique et inspiré de la BD. La marque de fabrique de Seth, artiste qui a peint dans l'espace public aux quatre coins de la planète. Ce jour-là, il décore les pylônes du belvédère de Belleville, dans le nord-est de Paris, avec l'aval de la mairie. Preuve que le rapport des institutions au street art a radicalement changé. En 30 ans, on est passé de une interdiction quasi totale de peindre, avec des lieux maintenant tolérés, et même des demandes de certains arrondissements pour peindre des façades ou des murs, ou comme ici, le belvédère. Avant, quand on peignait dans la rue, on se faisait dénoncer par les voisins. Maintenant, ils viennent, ah, c'est vous, ah, j'aime bien ce que vous faites, j'ai déjà vu votre peinture là-bas. Et des personnes âgées, donc c'est marrant. L'art urbain s'affiche désormais à l'intérieur même de l'hôtel de ville de Paris, qui lui a pourtant longtemps mené la vie dure. L'exposition Capitale retrace 60 ans de street art parisien. Dès les années 60, on a tous ces précurseurs qui sont des gens qui vont travailler les affiches, le collage ou le pochoir ou le dessin un peu plus naïf, un peu plus punk aussi. Et puis en 82, début des années 80, le graffiti déferle à Paris. La vague hip-hop inarrêtable déferle sur la capitale. Une contre-culture venue d'outre-Atlantique, longtemps stigmatisée par les pouvoirs publics. Surtout à partir d'un épisode sur lequel l'exposition s'attarde. Au mois de mai 1991, la France découvre les images de la station de métro Louvre vandalisée. La chasse aux graffeurs est déclarée et il faut attendre de longues années avant d'accéder à la reconnaissance. C'est un mouvement qui appartient à l'histoire de l'art, avec maintenant un travail sur les archives, un travail sur la technique, sur les technicités, sur les pratiques. On a ici les nouveaux Matisse ou les nouveaux maîtres de la peinture contemporaine. Aujourd'hui prisé du grand public, grâce aux stars de la discipline comme Banksy, Obey ou Space Invader, le street art est désormais le bienvenu presque partout. Mais même exposés, ces artistes continuent pour se réinventer, de regarder le monde qui les entoure.